Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Frères et sœurs, réjouissons-nous, exultons d'allégresse, car il est ressuscité, chantons, crions Alléluia. Le Christ était mort, il est vivant. Une joyeuse Pâque vous est souhaitée. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, cette joie de Pâques n'est pas une réalité. Cette dernière a fait place à la peur, ce sentiment qui gagna le cœur des disciples après la mort du Maître. À cause de la COVID-19, des violences, des guerres et d'autres réalités d'insécurité. Le troupeau fut dispersé, les persécutions furent officiellement annoncées par les événements malheureux du Vendredi Saint. L'incertitude régnait encore dans le cœur des disciples au matin de Pâques. Frères et sœurs, beaucoup auraient préféré un samedi saint. Oui, le monde d'aujourd'hui vit un samedi saint à l'envers. C'est le temps du Deus absconditus, un Dieu absent, mais à jamais cette présence silencieuse et discrète enfouie au fin fond de nous. Le monde vit pourtant dans le tumulte, le bruit et la violence, dans l'injustice et la haine, dans la terreur et la peur, prônant un aujourd'hui sans Dieu. Ici en terre haïtienne, non, notre joie n'est pas certaine. Quant au Jeudi Saint, nos chants de communion et d'action de grâce, dans cette cathédrale de Port-au-Prince, se sont mélangés au concert de rafales, de cartouches de gang au quartier du Bel Air et de ses environs. Nos cœurs se troublent encore quant au Vendredi Saint. Des chrétiens se font kidnapper en direct dans un espace de culte. Non, le cœur n'est pas à la fête, car nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous sentons parfois que nous vivons en boucle le Vendredi Saint, où nos cris se mêlent encore à celui du Christ. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En revanche, nous pouvons quand même nous réjouir, car le monde n'est pas le gardien ni la source de notre joie. Dieu est la source de notre bonheur et de notre joie. Le Christ que le monde a rejeté, maltraité, crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est le motif premier de notre joie. Car désormais, nos souffrances, nos problèmes, nos maladies et même la mort n'a pas le dernier mot. La mort, résurrection du Christ, nous introduit dans une nouvelle espérance. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, nous dit Jésus en Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Le tombeau est vide. N'allons plus à contre-voie chercher le Christ là où il n'est pas. Des fois, nous cherchons vainement le salut, la délivrance, là où elle n'est pas. C'est en Jésus et en lui seul que nous pouvons et nous devons nous confier. La pierre n'est plus. Cette pierre devant le tombeau, c'est l'ensemble de nos soucis. C'est donc la peur qui nous paralyse. C'est le sédatif qui nous endormit, qui nous empêche de voir aujourd'hui qu'il faut sortir de nos tombeaux. Il nous faut nous réveiller du sommeil, de l'inactivité, du bon Dieu bon. Il nous faut sortir de nos conforts. Le pape François nous parle d'une église en sortie qui va à la rencontre de nos frères et sœurs dans la périphérie existentielle et géographique. Le Christ a été glorifié sur la croix pour qu'en mourant à nos péchés, nous puissions ressusciter avec lui dans la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Nous devons, frères et sœurs, avoir l'audace de ces femmes qui ont bravé l'obscurité de l'aube pour se rendre compte que la pierre n'est plus. Sommes-nous prêts à braver les ténèbres, celles qui nous empêchent de voir qu'aujourd'hui, chez nous en Haïti, la chaise est vide. Il ne faut avoir aucune peur. Il nous faut défendre les plus petits. Il nous faut, comme un seul homme, tous unis, combattre la violence dans toutes ses formes. Dénoncer, combattre la gangstérisation de la République, combattre tous ceux qui se réclament du peuple, qui pourtant le maintiennent dans un Vendredi Saint permanent, alors que nous sommes à Pâques.
Il nous faut dire non à cette culture du confort qui nous fait croire supérieurs à ceux qui survivent au quotidien, à la violence et à l'insécurité. Désormais, personne n'est en sécurité, personne et nulle part. Notre seule assurance, nous chrétiens, c'est la résurrection du Christ. Car nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Pâques, c'est la fête de la libération. Et nous ferons tôt ou tard notre Pâques ici. Et cela commence aujourd'hui. C'est le passage des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, du péché à la grâce, de la violence à la paix, de l'injustice à la justice, du kidnapping au tracking, il faut les traquer, de la tristesse à la joie. Oui, nous sommes des ressuscités. Nous ne devons pas nous laisser hanter par les forces de mort qui veulent nous rendre captifs dans cette société haïtienne divisée et en effondrement. Pâques, c'est la fête de l'amour et de la solidarité. Un Dieu qui parle d'amour en se donnant sacrifice, qui se fait solidaire de nos péchés en les portant sur lui, qui a épousé notre pauvreté pour que nous vivions de la richesse de sa miséricorde, libre, solidaire de tous, surtout des plus petits. Voici que dans le train-train quotidien, des deuils devenus ordinaires et des soucis ménagers s'est levé sans oui l'aurore de la résurrection, de la recréation du monde, de son basculement dans l'éternité. Dieu vient, frères et sœurs, depuis ce premier jour de la semaine, nous faire sortir de nos tombeaux. Il dénoue les liens de la mort. C'est dans le silence, de la foi, dans l'adoration, que pourra naître en nos cœurs la joie des joies. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Vivons donc un homme debout, un homme ressuscité. Amen. Thank you.